Alors, nous présentons également des documents, que ce soit des cartes postales, que ce soit des petites photographies que les poilus ont envoyées aux époux sautés pour les remercier, que ce soit, et c'est très émouvant, des dessins qui sont réalisés par ces poilus, des dessins de leur cantonnement, des dessins de leur vie sur le front, ou des dessins qui rappellent ce qu'ils espèrent retrouver bientôt, leur vie familiale. On a des dessins d'animaux, on le voit sur la vidéo, des dessins de poulets, de bœufs, etc. On est dans l'intimité de ces soldats, dans cette intimité des soldats qu'ils voulaient rendre aux époux sautés compte tenu des largesses, des bienfaits qu'ils avaient prodigués. N'oublions pas que l'essentiel des militaires qui étaient sur le front pendant la guerre de 14-18 venaient d'un monde rural. Et leur vie était bien différente de celle de la campagne. Et sans doute, quelques-uns dessinaient-ils des animaux de la basse-cour, leur bœuf ou leur vache préférée. C'est une manière de se souvenir de cet ancrage, mais aussi peut-être de se souvenir de ce pourquoi ils combattaient, pour protéger leur ferme, pour protéger leurs terres et pour protéger la nation.